toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrapha.com pour un rub spécial dessert qui va vous sauver tous les desserts au barbecue. Dans des vidéos précédentes, je vous ai montré des rubs qui peuvent vous sauver un petit peu n'importe quand, à mettre sur n'importe quelle viande, comme par exemple le rub Sopasco qui va vraiment avec tout, mais il y avait aussi le rub C4P2 ou le rub SPG. Ça peut vraiment vous sauver, j'appelle ça des rubs 4-4 parce qu'après vous pouvez ajouter un ou deux éléments. Par contre, on laisse souvent des braises après un barbecue et je vous propose de faire des desserts au barbecue avec des fruits rôtis et notamment un rub spécial dessert que vous pourrez mettre sur tous vos fruits rôtis. C'est un rub universel, sucré, qui est vraiment fait pour les pâtisseries ou pour les fruits rôtis au barbecue. On va passer à la liste des ingrédients tout de suite. Et pour ce rub dessert, spécial dessert, il va vous falloir 100 g environ de cassonade. Alors ça c'est très bien parce que la température de caramélisation est plus haute que le sucre blanc, donc vraiment prenez de la cassonade, c'est très important. Il va falloir un sachet de sucre vanillé, c'est à peu près 7,5 g. Donc ça c'est vraiment pour le goût vanille qui va être très présent. On va prendre un quart, voire... voilà, une moitié, un quart de petite cuillère de 4 épices. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le pain d'épices, le vin chaud. Donc vous voyez, sur ce rub, il va y avoir des influences qui vont permettre de se sentir bien, cocooning, etc. Avec des odeurs qui rassurent de vin chaud, de caramélisation. En fait, pour ce rub, je suis vraiment parti d'une base d'apple pie, de tarte aux pommes à l'américaine. Et après, j'ai aménagé un petit peu les différents goûts pour avoir un goût bien réconfortant, convivial, qui soit vraiment dans le thème du barbecue. J'ai pris aussi un quart de cuillère de cannelle. Ici, j'ai pris une cuillère de cardamome. Alors, le cardamome, c'est vraiment au Moyen-Âge, c'était une plante pour rafraîchir la laine. Ça a un goût citronné, camphré. Donc, ça va très bien. Ça va donner un petit goût un petit peu acidulé aux fruits. C'est vraiment top. Il va y avoir une demi-cuillère à café de noix de muscade. Donc là, on retrouve ça dans les vins chauds, la béchamel. Donc c'est toujours ce côté réconfortant, cocooning, etc. Et pour la texture, je vais ajouter 50 g de poudre d'amande. On va mélanger tout ça et on va pouvoir le saupoudrer directement sur les différents fruits. Ça, c'est le plateau de fruits que j'ai fait pour faire une salade de fruits rôtis en dessert au barbecue. Donc vous voyez, il y a différents fruits. Il va y avoir du pamplemousse, du raisin, de la pomme, de la banane, de la mirabelle, du kiwi, des prunes, de la pêche blanche, de l'ananas. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est à la différente coupe des fruits. Alors, deux possibilités, parce que ça va dépendre un petit peu de la maturité des différents fruits. Donc soit ils sont très fermes et il faut les couper en petits, comme là par exemple avec l'ananas, soit ils sont un petit peu passés, puis vous pouvez les couper en plus gros, comme ces prunes. Il faut vraiment faire attention à ça. Soit du coup, vous les mettez tous ensemble au même moment parce que vous avez bien fait attention à la différente coupe des fruits, soit vous les mettez au fur et à mesure en fonction de la taille et de l'état de maturité des différents fruits. Si c'est sur la plancha, vous pouvez directement mettre tous les fruits comme ça sur la plancha. Si c'est au barbecue, le mieux, c'est de venir les mettre en brochette. Donc, un petit peu comme dans l'émission Les Rois du Barbecue, en finale, j'avais fait des Rainbow Skewers. Donc, en fait, c'est des brochettes de fruits façon arc-en-ciel. Donc, tapez ça sur Google, vous verrez plein de choses différentes. Ou vous pouvez regarder l'émission. Et ensuite, il suffit juste de saupoudrer d'un rub comme ça sur le dessus et des deux faces. On se retrouve à l'extérieur avec ce rub dessert qui sent vraiment hyper bon. Alors moi, je suis désolé pour tous les fans du barbecue, mais tout ce qui est crustacés et dessert, j'adore vraiment les faire sur la plancha. Donc là, c'est très simple, je vais pouvoir mettre tous les différents fruits sur la plancha directement, parce que moi j'ai fait attention plutôt à la taille de la découpe, et je vais laisser tranquillement saisir. La seule chose à avoir, c'est qu'il faut qu'elle soit hyper chaude, donc là elle est à fond les ballons. Après une première saisie, ça commence à étonner un petit peu, il faut pas trop longtemps, et puis je vais pouvoir ajouter ce rub, donc assez généreusement, un petit peu comme les rubs salés finalement. Voilà, on dirait qu'on est en train de faire cuire un gâteau dans le four. Voilà, on va mélanger.
C'est vraiment un aller-retour hein, sur une plancha qui est très chaude comme ça. Hop, j'ai mélangé et je remets du rub de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on retire juste avant que ça devienne trop de la confiture. Comme je dis souvent, quand on a allumé les braises de son barbecue, c'est vraiment dommage de faire juste deux saucisses dessus. Autant profiter pleinement de la chaleur des braises pour aussi faire des desserts au barbecue, comme ces fruits rôtis. Alors c'est vraiment super bon. Parce que ça a des odeurs vraiment très réconfortantes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec la chaleur de la plancha ou du barbecue, ça va enlever l'humidité des fruits, du coup les sucres vont venir se concentrer et ça démultiplie le goût de chaque fruit, c'est vraiment super bon, accompagné d'une petite boule de glace vanille, c'est vraiment très très original pour ce rub dessert aux saveurs réconfortantes, un petit peu de apple pie, de tarte aux pommes. Et donc pour plus de recettes originales au barbecue, de l'entrée au dessert, rejoignez la communauté des fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker et abonne-toi à ma chaîne YouTube, à bientôt.